Salut, salut, c'est Chris pour un nouvel épisode sur Uncharted 4. Vous avez été nombreux à me le demander. Alors, on fait la suite et on y va tout de suite. Bonjour messieurs. Bonsoir, difficile à dire au fond de ce trou. Oye, idiota, monte les escaliers. Viene saliendo un prisionero. Abran la reja. Tranquilo, una semana. Una semana. Salut. Ça va bien? Oh, et humide aussi. Bienvenue au Panama. Hey, gringo. Pile lo que hiciste a Gustavo. Tengo un cuchillo que tiene tu nombre. T'inquiète, je vais venir m'occuper de toi plus tard. Déjanoslo a nosotros. Nos encargamos de él. Muévanse. Quítense, cabrones. Hey, hey. Tranquilízate. On dirait que tu as des admirateurs. Ouais, mon public adoré. Abre las rejas. ¿A dónde lo llevas? Es una sorpresa. Diviértete. Je parle un peu espagnol, tu sais. Attends, mais qu'est-ce que t'as dit? Tu le sauras bien assez tôt. Te l'adverti. M'escuchaste. Que t'as mirando? Nada, amigo. Rien. Tras. Esto me encargo yo. Bien. Ça a pas l'air louche du tout. Je sais pas, je trouve que ça ressemble pas au bureau du directeur. Va à gauche. Ouais, c'est bon. Par là. Par là? Ok. Ok, tu me les enlèves ces menottes ou quoi? Je veux en être. En être? Je sais pas ce que vous comptez trouver là-haut, mais je veux en être. Attends, Vargas, le deal c'était que tu nous fasses entrer et ressortir, c'est tout. C'est tout. Je prends tous les risques à votre place, Gringos. C'est vrai, mais Rafe te verse une très grosse somme en contrepartie. Si. Mais c'est loin d'être suffisant. T'aurais jamais dû regarder dedans. Je sais. J'aurais jamais dû non plus me laisser acheter. Ni vous emmener dans cet endroit. Ni passer mes nerfs sur mes détenus. Mais c'est comme ça. Tu pourrais faire attention, ça a au moins 300 ans. J'étais membre de l'équipage du capitaine Henri Avery. Tu sais de qui il s'agit? Avery était un pirate. Le pirate qui a ramassé le plus gros butin de toute l'histoire. Et qui a disparu avec. J'ai fait des recherches. C'est super. Un trésor de plus de 400 millions de dollars d'or et de bijoux. Tout ça sur un seul et unique bateau. Le Gunsway. Ouais. Je sais, je connais cette histoire par cœur. Où est-ce que tu veux en venir? J'occupe la cellule la plus élevée de la prison espagnole. Ah, ici. J'espère qu'un jour vous finirez par trouver votre chemin en ce lieu infernal, que vous porterez ma croix et que vous découvrirez les richesses du paradis. Et alors? Qu'est-ce que tu veux? Les richesses du paradis. C'est une métaphore. Non, 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 non. Toi et tes amis, vous m'avez pas payé pour venir dans ce lieu infernal à la recherche d'une métaphore. Alors je vais en être. D'accord. Voilà ce qu'on va faire. Tu me laisses monter là-haut, faire le tour de cette cellule. Si jamais il reste quelque chose après 300 ans, t'auras qu'à t'arranger avec Rafe. Allez, détache-moi. La lettre. Por favor. Et
comment tu comptes faire pour monter? Je vais grimper. Oh, sauf bien sûr si tu veux le faire toi-même, puisque tu veux absolument en être. Va pas te briser le cou. Oui. Je vais faire en sorte. On va essayer. T'as ce que j'ai demandé? Ouais. Je l'ai caché juste là, en dessous de la table de travail, à côté des caisses. Super. Ouais. Enfin, les affaires reprennent. Trésor. Qu'est-ce qu'on a là? Que cette lettre soit encore intacte. Hein, ça devrait faire l'affaire. Là, voilà la cellule de Burns. Je vais arriver là-haut. C'est parti! Burns, pauvre vieux. La majorité de l'équipage d'Avry a fui vers l'Écosse, mais toi, t'es resté coincé au Panama. Essayer de glisser par là en m'accrochant à ce poteau. Ça devrait le faire. Oh non, 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 non. Ouïe, aïe, 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 aïe. J'ai vraiment hâte de raconter ça à Sam. Allez, toujours plus haut. Regardez ça comme c'est cool la vue ici. C'est vraiment top. Allez, on va y aller doucement. Allez, faut que je trouve la cellule la plus haute. Difficile de croire que des dizaines de pirates étaient terrés là-dedans, en attendant d'être pendus. Alors, et maintenant? Faut que j'arrive à monter. Les prix.
prison moderne horrible. Cet endroit tient encore debout. Les Espagnols savaient construire des prisons solides. Beaucoup de pirates ont dû mourir là. Pas assez de moules. Bien le reconnaître. C'est vraiment trop cool. Là, on a une énigme. Hein. Par où commencer ? Le soleil et la lune, les symboles alchimiques de l'or et de l'argent. Une minute. Il semble que j'ai vu quelque chose comme ça sur la lettre. Ah, c'est bien une partie du symbole. Ah, voilà l'autre moitié. Alors. C'est déjà plus logique. Ok, alors j'ai deux signes du zodiaque, Sagittaire et Scorpion. Alors on voit un haut qui indique le 10. Et voilà l'autre ici, le M, l'espèce de M qui indique le 2. Ces gribouillis et ces rayures doivent bien avoir un sens. Donc, soit c'est 10, soit c'est 2, soit c'est 12. 10 plus 2. Là, on a 12. 10 et 2. X et II. Et voilà. Trop facile. Ben oui, mais je l'avais déjà fait. J'avoue que j'ai galéré un peu quand je l'ai cherché, mais grâce à mon grand ami Tutut, j'ai trouvé. Digna factis recipimus. Bon, je crois qu'il n'y a rien d'autre. Ok. Il est temps d'y aller. Allez, pousse. La première marche est dangereuse. C'est parti.
Ouais. Ouh. Attention. Ouais. J'ai bien intérêt à m'agripper, à pas me louper. Encore une fois. J'aimerais bien voir Ray faire ça. Ouais, pousse. Alors là, c'est chaud. Non. J'adore quand il dit ça. Ok. Beau travail. T'as trouvé quoi, Drake? Quoi? L'endroit a été pillé. S'il y a un indice caché là-haut, j'ai pas réussi à le trouver. T'en es sûr? T'as bien regardé au bon endroit? Je sais pas, j'ai peut-être loupé une info dans la lettre. Il y avait peut-être une autre tour dans le coin qui a fini par tomber en ruine. Ouais, c'est ça. Est-ce que il y a des plans de ces bâtiments? Des plans d'architecte? Ça se pourrait, il y a pas mal de paperasse. Ok, super, alors on va en faire le tour, et vois ce que tu peux trouver. Pendant ce temps, je vais parler à Sam, c'est lui l'expert sur Avery. Si ça se trouve, il comprendra tout ça mieux que moi. D'accord, je vais regarder les dossiers. Ouais. Tourne-toi. Ouais. Gringo, si je te reprends encore à te battre, je te foutrai une semaine. C'est un sacré collecteur, Vargas. Presque aussi bon que moi. Te puedo decir, suerte de principiante, ¿verdad? Hijo de puta. Hijo de puta. Lo siento, chicos. Tengo que ir. Claro, te vas cuando estás ganando. Para ti, ¿eh? Oh la vache, ils t'ont vraiment pas loupé, ça ouais, va? C'est la routine, rien de bien méchant. Allez, viens. Eh, hey, wow. Tu vas quand même pas faire durer le suspense. T'avais raison. Tu veux dire, on avait raison. Il ne nous reste plus qu'à trouver Raif et à... Non, commence pas, s'il te plaît. Allez, arrête. Tu l'as dit toi-même, c'est nous, les cerveaux, toi et moi. Cette espèce de gosse de riche débarque au dernier moment. Ça fait combien de temps qu'on essaie d'entrer? On avait quelques pistes. Non, on n'en avait pas. On n'avait que dalle. Que ça te plaise ou non, sans Raif, sans Vargas, on ne serait jamais rentré
ici. Parlant de Vargas, on va avoir un problème. Quel genre de problème? Il t'a fait rentrer dans la vieille prison? Ouais, ouais, il l'a fait. Bien. Mais après avoir lu la lettre. Qu'est-ce qu'il sait exactement? Assez pour vouloir sa part. Oh merde! Riff, si jamais quelqu'un d'autre en entend parler. T'inquiète pas, je vais m'occuper de Vargas, ça va aller. Pour l'instant, on ferait mieux de se concentrer sur le plus important. T'as raison. Il faut qu'on trouve un endroit un peu plus discret. Ouais. Bon, on sera tranquille ici. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, merde. Est-ce que je peux? Attention, s'il te plaît. Il est en bois incrusté d'or et d'argent. C'est de la belle ouvrage. Complètement creux. Pourquoi est-ce que l'un des hommes d'Avry prendrait la peine de cacher un crucifix qui n'a aucune valeur? Ben, parce que c'est pas un crucifix. Techniquement, un crucifix est une représentation de Jésus. Là, c'est pas Jésus. T'as raison, pas de couronne d'épines, il est ligoté à la croix. Mais alors, si c'est pas Jésus... Lis l'inscription. Digna factis recipimus. Nous recevons... Ça dit, nous recevons ce que nos actions ont mérité. Ouais. Impressionnant. C'est l'avantage de grandir dans un orphelinat catholique. Donc c'est Saint Dismas. Ouais, le voleur pénitent. Il y a un lien, mais lequel? Les gars, vous pouvez m'expliquer? Je vous rappelle que j'ai pas fait mon catéchisme. Hein, alors, pendant la crucifixion, Jésus est placé au milieu de deux voleurs, ok? L'un des deux s'est moqué de Jésus, l'autre voleur, ce gars-là, il est pénitent. Il a accepté son châtiment de bonne grâce. Du coup, Jésus l'a fait monter au paradis. Le voleur pénitent. Ouais. Quoi? T'as compris? Il y a bien une cathédrale dédiée à Saint Dismas. Elle est en Écosse. Et la dernière fois qu'on a vu Avry, c'était en Écosse. C'est quand même pas une coïncidence. J'avais des doutes sur vos compétences à tous les deux, mais... Allons chercher Vargas et foutons le camp de ce toit. Hein. Ouh, ça va chauffer. Ça va chauffer. Laisse-moi deviner, ce serait pas le type avec qui tu t'es battu? Je savais pas qu'il avait autant... d'amis. Te dije que no habíamos terminado. Mira, ya nos ganaste, ¿ok? Muy tarde para hablar. ¡Aquí no sales! Hey, ¡tú no te metas! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ah, putain! Allez. Allez. Voilà. Mais lâchez-moi. Ok, espera. Ya basta de hablar. Tiens. Va te calmer. Tiens, une deuxième, t'as pas compris. Une troisième. Alguien más necesita que le recuerde las reglas. Alínense. ¿Qué es esto? ¿Eh? Dame. ¿Es que tú fais de la contrebande? Oh, yes. ¡Cállate!
¿Por qué es que te prends? Llévalos a su celda. Me trae a los gringos a mi oficina. Déjenos. Déjennos. Ça t'en a pris du temps. On a bien failli se faire tuer. Ça peut s'arranger. Vargas ? T'es sérieux, là ? Oh. Non, j'ai rien trouvé du tout. C'est forcément dans une autre tour. Alors ? On est des catholiques pure souche, tu sais. J'en ai toujours une sur moi. Très drôle. Hé, hey, du calme. Elle a aucune valeur, d'accord ? Vous me prenez pour un con ? Oh, si tu veux qu'on renégocie, allons-y, mais arrête de jouer à la racaille du tiers-monde. Allez, pose ce flingue. Merci. Je te propose de passer ta part à... 10%. 50%. C'est nous qui faisons tout le boulot. 20%. Si on n'était pas là, t'aurais rien. 25%. Comme vous autres. 25. Ça vous paraît équitable? C'est pour ça qu'il va nous tuer. Ok, ça marche. 400 millions divisé par 4, c'est logique. Alors, marché conclu. Ok, marché conclu. Super. Mais si jamais vous essayez de me toucher... Putain. Voilà, c'est réglé. T'es devenu complètement dingue ou quoi? Tu veux vraiment le savoir? Mais merde, qu'est-ce qu'on fait? Bon, action maintenant, action, vite, vite, hein. Bougez-vous. Suivez-moi. Allez, dépêche. Allez. Allez, pousse! Oh, je rêve! Allez, pousse! Allez, allez, allez! Putain, quel abruti l'autre quand tu lui dis de pousser! Aïe, 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 ça pique. Putain, pas de porte. Fermée. Ici, 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 viens, amène-toi. Vas-y, bouge-toi le cul. Descends l'échelle. Bah vas-y toi, vas-y, bah hold toi. Ah, on est une équipe les gars, je vous le dis, bande de bras cassés. M'attendez pas surtout. Voilà, bravo, voilà. Bon, qu'est-ce qu'ils voulaient les... Les batraciens là, viens, 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 viens. Attends, bon. Bon, ok. Bon, toi aussi, viens. Allez. Allez, pousse.
Oui, elle a compris ce que ça voulait dire pousser. Allez, bouge! Allez, monte. Sam, non. Non, accroche-toi. Accroche-toi. Sam. Tends-moi la main. Tends-moi la main. Non. Sam. Allez, faut pas rester là. Non, non, il est toujours là. Non, il est plus là. Et le bateau nous attend juste derrière ce mur. Non. Non, je peux pas. Je peux pas. Je peux pas le laisser là. Nate, ton frère est mort. Viens avec moi avant de finir comme lui. Non, non, il est... Fais comme tu veux. Allez, fin de l'épisode 2. Allez, c'est un peu la présentation du jeu avec le générique. Alors j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, on continuera l'épisode 3. Vous allez voir, ça va enchaîner juste après le générique au début du 3. Et on s'arrêtera là. Je vous laisse savourer cette fin de générique. Je vous souhaite de bien vous porter, de bien vous protéger. Et je vous dis à la prochaine fois. Bye bye.
reçoit un signal là-haut? Malheureusement, non. Ok, je vais continuer à descendre le courant. Bien sûr, tiens-moi au courant. Le ferai. Hey, d'après ma montre, il te reste un quart d'heure de bouteille, tu veux remonter? Non, ça va aller.